Le moteur à piston rotatif Wankel, souvent appelé simplement moteur Wankel, a été développé par Felix Wankel dans les années 1950. Contrairement au moteur à piston alternatif, qui transforme un mouvement alternatif du piston en une rotation, dans le cas du moteur Wankel, l'énergie libérée par la combustion entre directement en rotation. Le moteur Wankel est composé d'un piston rotatif en forme de triangle que l'on appelle rotor ou triangle de relot et dont chacun des trois angles est doté d'un segment d'arête afin d'assurer l'étanchéité entre les différentes chambres. Le rotor comporte une denture intérieure dans laquelle est engrené un pignon possédant une denture extérieure. Le pignon est fixé à l'arrière du carter et a pour fonction de guider le rotor à l'intérieur du carter. Des bougies sont placées en haut de sept enceintes en forme de toroïde qui disposent d'un conduit d'admission et d'un conduit d'échappement. Le rotor transmet à un arbre excentré le mouvement créé par la combustion. Cet arbre met alors en marche les roues. Comme on le voit ici, il manque plusieurs parties du moteur à piston alternatif, comme par exemple la bielle et les soupapes, ce qui permet au moteur Wankel d'être généralement plus compact. Intéressons-nous maintenant au fonctionnement du moteur Wankel. Le moteur Wankel est un moteur à combustion interne qui fonctionne selon un cycle à quatre temps. Ces quatre phases ont lieu à différents endroits. Nous allons à présent examiner ces phases l'une après l'autre. Lors de la première phase, le mélange air-carburant que l'on peut voir ici sur le côté droit de l'animation est aspiré dans la chambre grâce au mouvement du piston. Le piston continue à tourner et ce mélange est alors comprimé dans la partie supérieure de la chambre. Il s'agit de la deuxième phase. Quand le mélange a atteint sa compression maximale et qu'il est passé par les bougies d'allumage, il est enfin inflammé par les bougies lors de la troisième phase. La combustion du mélange fait monter la pression, ce qui met en marche les pistons. Lors de la quatrième phase, les gaz d'échappement sont transportés hors de la chambre par le conduit d'échappement. Dans un moteur Wankel, trois allumages ont lieu à chaque rotation complète du rotor.